Jusqu'ici, notre meilleur tour est de 1 minute 5,7. Prends la piste dès que tu es prêt. Je ne t'ai pas entendu, répète le message.
occupe la 15e place au speed trap, 200,4 miles par heure. Jusqu'ici, notre meilleur tour est de 1,5,7. Tout est prêt. La voie est libre. La monoplace va sur le circuit.
On va faire chauffer la voiture pendant ce tour. On vérifie les vitesses, alors essaie de toutes les passer. Dans environ 10-15 minutes. Le reste de la grille se met en formation. Concentre-toi et surveille les feux. Fais attention, la voiture de sécurité vient d'entrer. Surveille l'indicateur Delta. Il doit rester positif si on veut éviter une pénalité. Ralentis, le Delta doit rester positif.
Tu risques d'avoir de la pluie dans 10-15 minutes. On a tout intérêt à chausser des slicks. Prépare-toi à reprendre un rythme de course. La voiture de sécurité rentre sur ce tour. N'oublie pas qu'il est interdit de doubler jusqu'à l'apparition du drapeau vert. Drapeau vert, on est reparti. Tu viens de gagner une place. La consommation de carburant est à plus 3. Il faut passer immédiatement au mélange 3. Encore quelques tours avant la pluie, mais on ne va pas y échapper. Fais attention. Notre retard avec la voiture qui nous précède est de 3,8 secondes. La piste est dégagée, drapeau vert. Ok, les commissaires viennent d'autoriser le DRS. DRS disponible.
environ 5 dixièmes au tour par rapport à la voiture de devant. Voiture de sécurité virtuelle. Voiture de sécurité virtuelle. Réduis ta vitesse immédiatement et maintiens ton indicateur delta positif. Ok, ralentis, ralentis. Ton delta est négatif, ce qui signifie que tu roules trop vite. Ralentis. La voiture de sécurité virtuelle rentre. Garde ton rythme jusqu'au drapeau vert. Attends bien le drapeau vert. Drapeau vert. On ne roulera bientôt plus en conditions sèches. Attention, on risque d'avoir bientôt de la pluie. Pour l'instant, les slicks semblent être les plus rapides. Avec la voiture qui te précède est de 3,8 secondes. La voiture de sécurité virtuelle a été déployée, ralentie et garde un delta positif. Voiture de sécurité virtuelle déployée. Ok, ralentis, ralentis. Ton delta est négatif, ce qui signifie que tu roules trop vite. Ralentis. On réfléchit à une stratégie. Tu veux changer ou continuer à suivre le plan initial ? Ok, compris. On a tout intérêt à chausser des slicks. Pour l'instant, les slicks semblent être les plus rapides. On a tout intérêt à chausser des slicks. La
voiture de derrière augmente son retard sur toi de 3 dixièmes au tour. Pour l'instant, les slicks semblent être les plus rapides. Notre retard sur la voiture de devant est de 3,3 secondes. On a tout intérêt à chausser des slicks. Pour l'instant, les slicks semblent être les plus rapides. Sois prudent avec tes slicks. Avec les conditions, la piste glisse un peu, mais on est encore bien loin de devoir changer de pneu. On a tout intérêt à chausser des slicks. Retour à la normale. Pas de soucis à se faire au niveau de la dégradation des pneus. Continue à les économiser. Drapeau jaune. L'état de la piste ne s'améliore pas. À toi de nous dire si tu veux chausser les pneus pris au prochain arrêt. On n'a pas entendu, il y a des interférences. Il y a des parasites, tu peux répéter ? Répète ça, s'il te plaît, on a des problèmes de réception. Ok, ils viennent de faire entrer la voiture de sécurité. Il faut ralentir et former une file. Fais bien attention à l'indicateur Delta, il doit rester positif. On a encore 10 minutes de pluie, la situation devrait s'améliorer ensuite. 10 minutes. Pour l'instant, les slicks semblent être les plus rapides. Ok, ralentis, ralentis. Ton delta est négatif, ce qui signifie que tu roules trop vite. Ralentis.
nous approchons de la voiture de sécurité. Ne la double pas. Tu es en tête. Suis la voiture de sécurité. Tu te débrouilles bien, continue comme ça. On a droit à encore une dizaine de minutes de pluie. 10 minutes. Compris, tu rentres dans ce tour. C'est bon, vas-y. C'est le moment de hausser le rythme, faut faire chauffer les gommes. Nous ne sommes plus trop sûrs que tu sois sur les bons pneus. C'est peut-être un bon moment pour venir en changer. Intervention de la voiture de sécurité sur ce tour. Essaie de chauffer les pneus à la bonne température. Et n'oublie pas qu'il est interdit de doubler jusqu'à la première ligne de la voiture de sécurité. Garde ta position jusqu'à l'apparition du drapeau vert. Prends ta place ou on va recevoir une pénalité. Les dépassements sont interdits quand la voiture de sécurité est sortie. Drapeau vert.
La consommation de carburant est à plus 3. Il faut passer immédiatement au mélange 3. À une stratégie viable que nous aimerions utiliser. Tu souhaites continuer sur ta lancée ou on change? Notre avance sur la voiture de derrière est de 2,0 secondes. L'écart avec le pilote de devant est de 2,7 secondes. D'accord, confirmé. C'est bon, tu peux partir. Essaie de ménager tes pneus, l'objectif est de finir la course avec ces gommes. Attention, attention. La distance qui nous sépare de notre coéquipier est de 24,9 secondes. D'après les prévisions actuelles, on en a encore pour 5 à 10 minutes de pluie. Retour à la normale. Notre retard avec la voiture qui nous précède est de 5,6 secondes. Tu es dans les 10 premiers, continue comme ça.
Le ciel va bientôt se dégager. On aura bientôt une meilleure adhérence. Évite quand même de faire surchauffer les pneus. Je sais pas s'il vaut mieux chausser des slicks ou des intermédiaires. On est entre deux. J'ai pas compris, répète. L'écart avec la voiture qui te précède est de 14,8 secondes. On réfléchit à une stratégie. Tu veux changer ou continuer à suivre le plan initial? Confirmé. Attention, attention, la voiture de sécurité virtuelle intervient. Réduis ta vitesse et garde un delta positif. Ok, ralentis, ralentis. Ton delta est négatif, ce qui signifie que tu roules trop vite. Ralentis. C'est fait, fonce. Fin de la voiture de sécurité virtuelle. Garde ton delta positif jusqu'au drapeau vert. DRS a été autorisé, DRS disponible. Retour à la normale. Jaune. L'écart avec la voiture derrière nous est de 1,7 secondes. Notre retard sur la voiture de devant est de 3,0 secondes.
pas pouvoir tenir ce rythme encore longtemps. On a à peine un tour d'avance sur nos prévisions. Il va falloir que tu passes au mélange 2 bientôt. Avec le pilote de devant est de 3,3 secondes. Un peu d'avance sur la voiture de derrière, ne te relâche pas. Notre retard avec la voiture qui nous précède est de 6,4 secondes.
infliger une pénalité qui sera déduite de notre temps à la fin de la course. L'écart avec la voiture qui te précède est de 8,5 secondes. Il nous reste à peu près 5 tours de carburant. Tu as perdu de l'avance sur la voiture de derrière. Tu rattrapes la voiture de devant, mais rappelle-toi, il faut que tu termines la course avec ces pneus. Il reste à peu près 3 tours de carburant. Notre retard sur la voiture de devant est de 1,7 secondes.
premier tour en course, c'est ton dernier tour. L'écart avec notre coéquipier est de 5,4 secondes.